Ma pou tombe, kabrit manje feuille peuple haïtien. Je dis c'est exactement lundi 6 mai 2024. Moi content justement pour ensemble avec ou sous plateforme Paulan qui c'est plateforme Maman Pemba, plateforme Pay Poteyan, plateforme qui Papa Chaylan qui c'est plateforme YouTube Info Betoa. Coulève cette tête là prenant zip. Son j'aime te dit nous 1er janvier 2024 là. Pendant que commandant Guy Philippe était au Cap Haïtien, n'a pas rappelé ça. De fond de classe pour me dire. Avant que Philippe te traversé de au Cap pour te rentrer Gonaïve là. De dit nous en 2024 ça. Marqué ça en pied bois, dans un pied bois pas tombé ou du moins si on compte pas oublier. Nous qui pour nous à clair toute nèg avec femme qui fait politique dans pays là dans qui niveau criminel. Nous qui pour nous à clair tout nèg avec femme qui fait business dans pays là qui était yo homme d'affaires du moins secteur privé des affaires. Ça nous relé oligarchie pour y sentir ya. Nous qui pour nous 1 2 3 4 raison qui cause yo assassiner Jovenel Moïse là. Ou après que li clair que monsieur pas vle pour que haïtien jam jeune yon pays pour fonctionner normalement. Et on pourrait acclamer dans quel niveau nèg raï peuple haïtien. Et on prend dans quel niveau yo craser pays face yo craser là avec c'est avec stratégie que yo utilisé, yo prend contrôle tout politicien reste avec vicieux volé mettant ba colette pour faire au chef tout temps. Et c'est yo fait craser Haïti. Tout politicien ont une seule stratégie. Prend petite madame mettez à l'étranger. Bien que de 2022 à 2024 alors 2023, les États-Unis d'Amérique, le Canada ba non bon bourade. Côté que, naturellement, yo mette frein et non série de mouvements, c'est de volets dans la politique qu'on a fait dans le pays d'Haïti. Par exemple, craser pays, hein, et puis couper un chaud, net, yon fume tel chaud, et puis yon prend un avion, à une petite madame à l'étranger, qui pays, États-Unis, la France, Canada, au comprenez, traverser. Mais maintenant, même la Dominicanie, à travers Luis Abinadel, font frapper dans ce sens-là, guide nègre. Même la Dominicanie, yon pa ka traversé. Ah, ou pa ta fon ide non? Yon te nèg pa chaque week-end yon te kon kay voisin. Chaque week-end yon te kon traversé kay voisin. Mais moi maintenant, et pas n'importe nèg qui kal kay voisin, non? Gen pile nèg que États-Unis sanctionné là. Yon tellement peur. Même si Dominicanie poko bloke yon, yon peut traverser la Dominicanie. Donc, ça passe? Parce que le konne ki automatiquement l'autre bois, yon gen contrôle li, et avec autant de facilité, yon peut mettre sous li. Mais là, Haïti, li ka lage téléphone non côté la école non province et puis personne ba non côté lié. Mais la Dominicanie pa gen caché non papa. De pour rentrer y ap konnen, de pour rentrer légalement y ap konnen. Ou rentrer illégal, faut pas ta utiliser téléphone. Ou bien tout téléphone ou ap use, c'est pas pour. Mais sinon, y ap pon quand même. Eh bien, peuple haïtien, kou lève cette tête là depuis en l'air, li krasé. L'homme dit nous depuis en l'air krasé, son bagay ki monte derrière do peuple là, comploté sous do peuple là. Sous son président Jovenel Moïse, yo assassiné, yo décidé pour gonfler quand on a un téléphone, pour qu'un petit groupe blanc pa yo, que oligar corrompu yo alpe et lobbyiste pour que yo capable faire au jeune blanc pa yo, pour mettre yo chef dans le pays d'Haïti. Et mes peuples haïtiens, gros goumen, gros discussion, gros déblos a pété, en dedans coulève cette tête là. Mais kounya, ça qui est important pour nous, c'est CARICOM qui rele yo, pour le mettre à genoux, pour le passer fret nan de yo, pour le garder. Silence. CARICOM pral propose yon l'autre bagaille encore pour faire. Exactement, ça qui a recommandé. Mais qui est-ce qui a toujours gagné? C'est oligarchie qui a toujours gagné. Ça qu'on a fait ça. C'est parce que, Gonom qui relè, Edouard Bossan. Edouard Bossan, c'est PDG de la Unibank. Son gros baron. Son qui contrôle l'économie pays d'Haïti. N'a qui gagne l'argent malheureux dans la banque. Il kidnappe, il dit la boue, salve-le, j'enleve-le, l'elve-le. Ou te gagne Kobo en Haïti, par exemple en 2018. Dans la banque Edouard Bossan. 2022-2023, Edouard Bossan dit le pape Bordeaux là. La baoule en goud, mais c'est avec Topali. Et pas que l'État qui a freiné. Il fait banque client tourner un bureau d'échange. C'est lui qui a monté l'argent, descendre l'argent, changer l'argent. Il y a un président qui est le Jovenel Moïse, qui vient doubler quand son entaille, qui dit que il va faire tout ce qui a fait des autres, ça volant. Et pas des autres, non volant, comme malheureux, malheureux, font suspendre. Jovenel Moïse parle directement ensemble avec tout nèg qui dans banque.
Les il pas qu'à comprendre pour n'être banque pour banque tourner, il y a un bureau d'échange. Et puis banque centrale là, qui c'est banque des banques, ou pas qu'à pour ou pas comme si mettre précision, mettre frein dans ça. Qui est-ce qui toujours mettait gouverneur banque centrale, c'est monsieur yo. Jovenel Moïse t'a mouru aujourd'hui, Jovenel Moïse t'a mouru demain, mais t'a remouru encore. C'est comportement ça Jovenel t'affiché. Mais moi, d'un chef d'État m'pas t'a mouru. Non, m'pas t'a mouru parce que moi c'est chef d'État, moi j'ai monopole justement de la violence légitime dans plein. Mais moi, l'État ben m'doit ça. Le groupe vagabond décide pour faire violence sous peuple, l'État ben m'doit et pouvoir. Et peuple a ben pouvoir, légitimité m'dan boudam. Le peuple qui vote m'pral craser bouda vagabond. Si Jovenel Moïse, l'alte prévoit mettre un frein dans l'action chef terroriste, criminel, assassin, gang sale, qui relève Edouard Bossan, si Jovenel Moïse te décide frapper fort, jounen jodi, Haïti pas d'aplat. Non, nous avons Haïti qui a un président qui a balgué 3 ans au pouvoir. Ah, vous avez fait une idée, non? 7 juillet, qui a fait la fête Jovenel Moïse 3 ans depuis que vous assassiné. Nous comptons ça, ça veut dire? 7 juillet, Cap vin là. Pas gen jwet nan ça. Demain si Dieu veut, Cap 7 mai a fait 34 mois depuis que Joseph Michel Martelly livré président Jovenel Moïse. Ah papa, pas d'affront idée non? Hein? Mais Cap vin là, 7 mai a fait 3 ans, a fait 34 mois, pardon, depuis que Reginald Boulos justement gen mo parle pour le dire, il pas capable parler. Il pas capable parler non? Ah papa. Vous comprenez? Et demain si Dieu veut Cap 7 là. La fête Dimitri Vob, justement, 34 mois depuis que monsieur Paka parle clair. Amigdal total, ou pas fin clair à son. Ou te chaud ou Vob maintenant, mais qu'on y a, et vous ouvrez Bekou. Moi, depuis là, ou fin condamné John Joel Joseph Lan, Dimitri Vob fait silence total, capital, si vole sans salle, sans gouin terroriste criminel. Tu kon tweet toute la journée, fait live, fait le nom. Fait le nom. Ou pas l'autre côté, yo fait m'connaissé dans Downtown Miami. Et là, dans Downtown Miami, dans Brickell Avenue, et ça yo dit moi. Et là, monte réseau gang ou là, sou capable. Monte réseau kidnapper ou, monte réseau terroriste ou, pour la Haïti. Là, ou Haïti qui part en faveur, ou à tout yé yo. Ou à fizi ou même j'avec Haïti. Ou à kon Haïti ou là, chef terroriste, chef criminel. Sou te Haïti là, papa. Et quand te voye don kato avec équipe li là, John Joel Joseph, une vidéo bal sou moun. Mais kounya là, koto yé na Miami là, papa. Et ou réfléchi, oui. Ou réfléchi, ou dit tout. Est-ce que m'kaba 600 000 $ ou 200 000 $ pour tout yé moun sa pou mwen? Mais tout yé pour un. Pour deux, ou bien nan préparation tout, il y a seulement FBI qui est pour vous. Il y a qui est pour vous parce que vous avez dossier sous dos. Bon petit volo, bon sangouin, bon moun sale, terroriste criminel, méchant sale côté nous. Eh bien, je dis là, ça pour nous connaître, c'est que, ou li ka corrompu dans tout le monde, et je dis, yo fin ouè que, genye des rats politiques. Oh, même pas de j'aime kon si Claude Joseph Papa te mafia politique comme ça, non? Rete, Claude Joseph Papa font met tête ensemble avec. Comment les petits voleurs ou les Moïse Jean-Charles là? Ou les Moïse Jean-Charles là, moi, je ne sais pas. Claude Joseph met tête ensemble à papa. Yo, ben, il doit bosser un gros coup qui s'est passé. En d'un coup, lève cette tête là. De manière stratégique, n'a organisé ou là, papa. Yo, je n'en 4 sur 3. Vous comprenez? Et pas oublier. Et 7 là, papa. Faut que majorité a. Et faut que 3 plus son green. Et pour que 3 plus son green, l'autre là, vous obligez de couper. Et Edouard Bossan dit non. Aristide dit non. Est-ce que vous comprenez? Oligarchie a dit non. Parce que, pas oublier, c'est eux qui pour gagner le contrôle. Président en chef là, qui pour signer toute qualité vieux contrat pour 20 ans, pour 25 ans, engager l'État pays d'Haïti plusieurs milliards de dollars américains. Parce que, pas oublier, le contrat que Jovenel Moïse te coupé, n'a pas pensé que c'est un président qui pour venir, qui pour retourner contre sa baio et pour continuer à le botter comme dans l'État. Mais faut que vous ayez président pas yo, allié pas yo. Et jusqu'à maintenant, même si on a eu à pouler, même si nous-mêmes, définitivement, nous pas fait Claude Joseph confiance. Mais m'abdou, honnêtement, oligarchie pour y sentir, il y a plusieurs secteurs là-dedans. Qui va y kop boutou et Jovenel Moïse, yo pi va faire Claude Joseph confiance toujours. Ou mette comme souvle, y va y m'pakadou là. Mais attendez bien, il y a plusieurs secteurs qui parlent à Claude Joseph. Et si Claude Joseph pas rassure qu'elle range sécurité, il n'y a fin avec. Parce que vous oubliez, mais si tu poses une action concrète, après assassinat président, Claude Joseph te déclaré noir sur blanc, quel que soit les prix à payer, faut que nous jouions justice pour président Jovenel Moïse. Elle dit c'est seul mourir pour le ta mourir pour président Jovenel Moïse pas jouer justice. Et là, il se dit là, dit ça, côté mieux, il se dit comme trembler, comme vibrer. Il dit waouh, jeune garçon, c'est un courage.
Mais malheureusement, à l'époque, je ne peux pas parler, monsieur. Nous ne pouvons pas parler. Si nous ne pouvons pas parler, monsieur, que si monsieur t'attendait, dans le niveau de nous parler, monsieur n'est capable de ne pas remettre Ariel pouvoir. Monsieur n'est capable de créer toute stratégie, toute bagaille nette, et puis pour nous parler avec le peuple, et puis pour aider le Kimbe pouvoir. Parce que dans le cas d'enquête pour dans le cas d'enquête sur assassinat président, ça seulement est capable de Kimbe pour dire que, comme nous avons envie de détourner attention à pour faire l'opinion comprendre que moins impliqué dans l'assassinat président, gon journal dans le pays Colombie, qui est le El Tiempo, qui est de faire comprendre que premier ministre, là, t'es chita avec Colombien. Qui est ce premier ministre? Ariel Henry. Kounya a tout fait plonga ea, oligakopi ou gon laboratoire kap travail. Qui frappe Claude Joseph Fort? Kounya qui est ce qui vient répondre kap fait lobby avec ça? C'est, comment il est, Rodolphe Boulos. Rodolphe Boulos. Qui dit que Claude Joseph n'a trouvé Jovenel Moïse. Mais par conséquent, c'est Ariel qui t'es chita avec Colombien, vrai? Colombie répète lundi au niveau de CPJ. Kouna maintenant, Claude Joseph prend un gaz à cœur, monsieur Sauté. Si monsieur intelligent, s'il te gagne équipe politique, tout, malheureusement, et ça me toujours dit nous, Jovenel pas de gagne équipe politique, et ça fait que Claude Joseph pas d'ap gagne équipe politique. Si Jovenel Moïse te gagne base politique, yon équipe politique solide, et puis paysan d'ap supporter li, eh bien, naturellement, yon d'ap campé derrière Claude Joseph, faut pas d'ap frustration tout. Mais au niveau gouvernement, le Jovenel Moïse te choisi Claude Joseph pour le débattre comme premier ministre pour un petit bout de temps, te gagne trop frustration. T'as que trop bas d'énergie qui t'a et dégagé. Et en pile, n'est qui ancien, qui est estimé que c'est eux, même pour Jovenel Moïse, t'es choisi comme premier ministre AI, mais comme si n'est estimé que son insulte que lié, naturellement, du fait que comme si Claude Joseph pral présider Conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez? N'est estimé que c'est une insulte que ça y est. Claude Joseph, trop jeune, c'est ti Claude, c'est ti bagaille, comprenez-moi? N'est-ce que t'es ça? Où songez? La Jovenel Moïse te fait choisir. Claude Joseph, premier monde qui manque, qui premier attaque Claude Joseph. C'était Reginald Boulos. Ah oui, là ça me t'est fâché, mon cher. Premier monde qui attaque Claude Joseph, c'est Reginald Boulos. Oh oui, ça, Ti Claude, ti bagay pas ka organiser. Claude pas capable de dire. Mais c'est réduit, Claude Joseph, parce que tout simplement, si ce n'est pas oligarque là qui propose ou, bah yon président, c'est qu'on pape jam. Ou pas qui doit arriver quand on arrive là. C'est yon même qui pense que. Et ça cause ouais. Yo pensez que li normal pour yo gen droit de vie ou de mort sous chaque haïtien. Yo décide de tuer moun lè yo vle, Jean yo vle. Yo fait toute qualité crime dans pays en Jean yo vle lè yo vle. Et bien définitivement, à travers bataille qui pété, en dedans coulèf cette tête là, li permet nous connait de véritable soli, Edouard Bossan en dedans bagay lan, et immédiatement dit nous ça qui fait mal là. Est-ce qu'on connaît la presse traditionnelle haïtien dit son bagay qui normal pour oligarque là en dedans bataille pour mettre président pour le cas gérer intérêt. Ou pensez comme si ou connaît pays a fini monsieur. Journaliste a fait peuple à comprendre qu'il soit qui normal, oui. Même l'autre politicien qui a battu avec là, montre qu'il soit qui normal, oui. Mais si on groupe n'est danger comme ça pour un pays, et puis nous on lui fait rentrer dans le peuple là, comme si ce soit qui normal, pour nous faire toute qualité complot pour acheter des mounes, pour le gagner contre l'État. Oh, monsieur, avec n'est ça, pas gagner espoir même. Non. Avec monsieur Sayo, pas gagner espoir du tout. Et si nous ne prenons pas une dernière décision avec Nèg sa yo, je garantis nous, pita kapitris. Mais comme moi, ouais, il y a un plan à prendre dans là. Il y a plusieurs gens qui parlent. Il y a prendre dans son plan là. Pour regarder comment il a attaqué Guy Philippe. Si c'est Guy Philippe qui a envie d'attaquer pour tout bon, si c'est Guy qui a envie d'attaquer pour tout bon, je dis nous ça honnêtement. Je ne peux pas tomber. Bon Dieu dans le ciel là. Grand Dieu, Jéhovah. Grand architecte de l'univers, bon Dieu dans le ciel là, qui pour le fait, Guy Philippe, râle, version Guy Philippe 2004 là, pour le pousser nous li en 2024. Dans le bas de Bouddha nous, dans le fouillé de la nous pensons que nous sommes capables de tout Guy Philippe. Grand Dieu, Jéhovah, grand architecte de l'univers là, qui pour le rester comme ça, qui passe dans Guy Philippe. Qui passe dans Guy Philippe. Et pour me faire Guy Philippe connaît que c'est exactement Guy Philippe 2004 là pour ba nous en 2024 là pour libérer Haïti. Et quelque chose agence ça route que n'a fait route que Jean-Baptiste Aristide Lavalas Edouard Bossan Unibank Lavalas. Aïe, Leslie Voltaire Lavalas pour y senti Tchoul Aristide. Média traditionnel Bec fait. Pierre Espérance qui commence à attaquer Guy Philippe. Si c'est un niveau ça nous praler. Route ça nous praler. N'a pas mis ton bari, tende nous, n'a pas mis ton van sans dans le pays qui pourquoi jamais suspendre. Parce que pas de monde qui a campé pour garder nous,
t'as monté complot pour l'assassiner qui est Guy Philippe. M'ba quoi gars, c'est cap d'accord. Jasper il s'est n'a pas d'accord. Et ça n'a cherché dans bout de diable là, n'a joindre ni. Parce que nous bat corps nous trop. Nous pensons que c'est tout soit qui normal pour tout le monde gens nous voulait là nous pipito. Mais bon mon Dieu, gon côté gars des monde qui pas d'accord. Quel monde cap camper pour dire que il peut pas accepter elle. Il faut que vous preniez décision pour nous pas pour le suspendre. Parce que dernier sorti que Pierre Espérance fait, c'est après déclaration que Guy Philippe fait quand elle dit même gens nous mettons gueule dans camper loin, c'est même gens nous pral démolir couler cette tête ça pour nous mettre au dehors tout. Et mais ouais que premier monde yo mettez pour commencer à attaquer commandant Guy Philippe, les Pierre Espérance. Ah, pas la fond idée non? Pierre Espérance qui commençait à attaquer Guy Philippe. Et nous songeons, première attaque que Pierre Espérance a fait sous Guy Philippe, c'est dans la radio et télévision Caraïbes. Quand le commissaire dit clairement, il faut que vous preniez Guy Philippe. Mais prend par qui façon? Et ouais que assassinat à Jean Bessapio dans la commune Pétionville, dans la boule 10, en face Pelé 11 là, ou après que son plan bien déterminé. Pierre Espérance était au courant, il n'y a pas pipé mot. Parce que pas oublier, l'aile parle de droits humains. C'est le par exemple. Il y a des gouvernements qui l'a pour traquer gang. Et bien, lui-même, il a dit qu'il a défendu le monde. Mais je veux dire, massacre a fait tout partout. Il y a tout le monde tout partout. Ou j'aime tant de le produire un rapport. Non. Il n'y a pas besoin de produire un rapport parce que ça qu'il a, c'est à faire pâle. Ça qu'il a, c'est à faire pâle, c'est à gérer pour que l'espace la net. Pierre Espérance, c'est un cancer pour Haïti. Pierre Espérance, c'est un cancer pour tout policier qui est sérieux dans la police. Pierre Espérance, c'est un cancer pour tout le monde qui est dans la presse qui va être corrompu. Qui va lui parler de vie information. Pierre Espérance sont corrupteurs. OK? Cap corrompt tout le monde. Font son vicieux son volet. Cap prend comme dans tout oligarchie pour y sentir, pour lui acheter. Moun qui gagne micro. OK? Moun qui dans politique, moun qui dans la police. L'a infiltré tout espace net pour le faire payer à mal que nous connaissons. Et après dernièrement, yon nan zami que le dégain qui vient pas en mille, qui est Léon Charles. Léon Charles Péton Kabouya avec. Ça fait ça. C'est parce que Gombaga qui a demandé Léon Charles, Léon Charles, il n'est pas le balil. Parce qu'on sentit après assassinat président Jovenel Moïse, Pierre Espérance, il a de bagay qui a besoin, il n'y a pas comme si. Et jouen ni, j'ai besoin là. Ça veut dire que je veux dire que nous comprenons la réalité qui est là. Bataille, il n'est pas facile. Même si nous, engagement était engagement, responsabilité était responsabilité. Nous même nous avons seul monde qui est intéressé. L'irélé, Guy Philippe. OK? Nous avons seul monde qui est intéressé, l'irélé Guy Philippe. Et c'est seul espoir yon haïtien conséquent. C'est seul espoir yon haïtien qui croit que justement Haïti capable de changer. Et c'est seul monde ou senti de bougen comme dirigeant et que toute et communauté internationale a bien pour respecter. Raison simple. Moun capable évoquer tout l'autre bagaille. Dit que Philippe était en prison. Dit ceci, dit cela. Même Jean tout dans notre chambre, il y a des gros accusations sous dole. Il était président des États-Unis. Même Jean tout Lula, t'es passé, t'es condamné dans la prison. Tu te mettais dans la prison. Vini, le président. Même Jean, et comment elle est? Mandela fait plus que son 20 ans dans la prison. Sorti, il est presque roi en Afrique du Sud. Guy Philippe, quel que soit ça, on dit de lui. Nous-mêmes, c'est lui que nous voulons. Et c'est lui qui a dit, c'est lui que nous croyons dans lui. C'est lui nous avons nous caractère et nous avons raison, justement, qui cause Nagyo. Pas vle ou Guy Philippe du tout. Nagyo, pas vle ou Guy Philippe sous toute forme. Faut éliminer monsieur pas n'importe qui moyen parce que monsieur trop direct, monsieur trop sincère, monsieur là monsieur Douaga li dit pour tout bon et ouais monsieur trop remet Haïti, monsieur trop remet peuple li. Il a décidé pour éliminer politiquement, physiquement Guy Philippe. Il fait tentative pour éliminer physiquement déjà plusieurs reprises. Bon Dieu dans celle-là t'es là. Yo éliminer caractère li. Comme si sur le plan politique il a éliminé le. Il fait le pont prison forcé. Il fait 4 ans, 7 mois prison. Alors, 6 ans, 7 mois prison, bon Dieu fait le tourner. Il est en bonne santé. Il rentre dans le pays. Il fait complot physiquement pour assassiner le 7 février 2024. Bon Dieu était là. Malheureusement, nous avons perdu plusieurs agents BESAP. Démarche a continué. Pierre Espérance retourne encore. Les gonne semaine là depuis la frappé. C'est attaque pour assassiner caractère Guy Philippe. Mais tout le monde connaît démarche Pierre Espérance. Il toujours gon green by DL assassinat physiquement. Toute démarche Pierre Espérance, il toujours gon green by DL assassinat physiquement. OK? Assassinat physiquement.
tout démarche Pierre Espérance yo, yo gon green bay ki caché de elle, assassinat physiquement. OK? Ça veut dire important pour que nous comprenions la réalité ça. Maintenant, on avance. Et jodi an j'aime di nou an, c'est 6 mai 2024. Et m'a di nou bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui de qui le wap tande nou et wap gade nou an. Encore une fois, son plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous sur plateforme Panoa, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Et m'a demandé de nous partager, commenter, like et puis abonner. C'est beaucoup abonné. Alors commenter spécialement, ou de commenter pour capable exprimer et mes contentements là, ça qu'on envie de dire là, tout ça qu'on pour gagner et n'en penser ou pour dire, partager opinion ensemble avec nous. L'important c'est pas commenter là, regarder et me garantir ou n'a pas tes commentaires là dans une vidéo qui n'a tourné encore sur plateforme là. Ça veut dire il est nécessaire pour commenter justement dire ça que vous pensez, dire ça que vous comprenez. Et gagner yon ancienne ambassadrice les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti. OK? Et qui est Pamela White? Madame Pamela White cherchait contact ancien sénateur Guy Philippe. Il a Guy Philippe dans le téléphone. Yo parle. Ça qui te dit, moi pas connais. M'a pas commandé Guy Philippe et m'a pas qu'elle a pas intéressé dim tout. Si m'da dit m'da content le dit moi, mais m'a pas le chercher pour me poser question pour me connaître. Et madame Pamela White fait deux déclarations. Li dit comme ça que pour solutionner le problème non définitivement ou gen obligation chita avec Guy Philippe. Dans l'autre partie, il dit clairement, barbecue Jimmy Cherizier doué sous table là. Parole madame Pamela White lan, par la suite, genyen yon journaliste haïtien qui rele Wendell Theodore qui fait yon interview avec madame Pamela White. Madame n'a parlé dans l'émission. Question que journaliste a posé, qui en pile monde trouvé qui bizarre, c'est le journaliste a dit si Guy Philippe avec barbecue t'a pris pouvoir à travers un coup d'état, est-ce que États-Unis t'a parlé avec elle? Mais ça fait tellement parler en pile, mais il va venir sous média. Nous disons pas qu'à attaquer Wendell Theodore, ils sont professionnels. Ils ont posé question en sens ça. Mais il y a qui estime que ils ont des mondes. Je dis non. Après tout le temps, nous faisons féliciter ou bien apprécier Wendell Theodore. Si vous avez qui passe, plutôt nous questionner, nous chercher qu'on est plutôt. Ou bien nous relèl. Parce que pas oublier le gimmick ou l'amel. Ils posent question de la façon qu'ils veulent. Question qui doit déranger ou même. Mais il faut que il y a assez de tolérance pour capable comprendre moun. Entendez première partie déclaration. Et ou va entendre première partie déclaration. Entendez ça. Louis a cette barbecue et peut-être son équipe seulement demandait qu'est-ce que vous voulez. S'il dit, moi, je voudrais être président, OK, c'est fini. La négociation, c'est fini. Il ne va pas être président, évidemment. Mais de l'autre côté, moi, je vois que, je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir boots on the ground. C'est-à-dire, il faut une force militaire internationale. Et je crois qu'il doit avoir une bonne idée. Quel est le vrai problème? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pourquoi ils sont là en Haïti? Et personnellement, moi, je crois que les troupes, 1000 troupes de Kenya, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Je crois qu'il faut une force militaire. Et personnellement, je crois que ça doit être américain.
je sais que tout le monde, tous les diplomates en haut, les grands types de Washington a dit que c'est non, on va pas envoyer les troupes américaines en Haïti encore une fois. Mais pour moi, je ne vois pas une autre solution. Et une autre chose. Je crois que quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un a dit que Madame White, l'ancienne ambassadeur, elle est un dumbass et on n'a pas besoin des dumbass en Haïti. Ah, et s'il vous plaît, madame, dans tous mes respects, je peux être une smart ass, je peux être un bad ass, mais je ne suis pas un dumbass. Merci. Vous traduisez pour nous cette dernière phrase? Oui, oui. Y a des gens qui disent que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je suis quelqu'un qui n'est pas tout à fait positif ou bien qui prêche de mauvaises intentions. Je ne le suis pas. Mm-hmm. Je dis tout simplement que c'est nécessaire. Qu'il y ait certaines considérations particulières. Je dis, tout haut, ce que les gens disent tout bas. – OK, en tout cas, je n'avais fait allusion à personne en particulier quand j'ai posé la question, quand je vous ai posé la question, madame. Mais vous m'encouragez là à enchaîner avec une autre question. Notamment, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Joe Biden… reconnaîtrait un gouvernement issu d'un coup d'État avec Guy Philippe ou Barbecue? Ok, question, c'est Guy Philippe ou Barbecue? Est-ce que, bon, il y a un droit pour le poser question de façon ça, et pour le coller plus ou moins, bon, ça c'est façon parler, il y a des gens qui doivent dire qu'il n'y a pas de doué, tel, mais c'est lui-même, d'accord? Il y a un micro dans la main, il prépare une question, il est capable et faire comme ça. Mais maintenant, et ou pas loin qui question que madame Pamela White façon que la répondre et après l'a fait et on retrait sous déclaration qu'elle t'a fait et lui dit comme ça que quand c'était monde qui relève par la suite nous va quitter ça. Non, est-ce que je crois que le gouvernement de Biden va parler avec un gouvernement qui était à la tête de Guy Philippe ou Barbecue? Non, certainement. Pas de question de ça. Mais aussi, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, cet nouveau conseil de transition, ça, c'est aussi, il y a déjà des problèmes avec ça. J'ai lu ou j'ai parlé avec quelqu'un hier soir qui dit que la chose qui était dans le moniteur était complètement différente que les mots que le nouveau conseil veut d'être dans le moniteur. C'est-à-dire qu'il dit que les 9 ou les 7 membres, 9 peut-être, doivent avoir un certain. Ils ont demandé des choses qui ne peuvent pas être faites maintenant en Haïti parce qu'il n'y a pas un judiciaire où on peut avoir certaines choses. Les choses, les mots qui étaient dans le moniteur, c'est presque, ils posent un problème pour que les nouveaux membres ne peuvent pas prendre la place en Haïti comme le gouvernement. C'est stopped. Pour le moment, je vois, je ne sais pas ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je vois que le nouveau processus, qui au moins, c'est quelque chose, c'est un mouvement, maintenant, ça aussi, c'est bloqué. C'est ça que vous pouvez, que vous croyez aussi? Que le processus est bloqué? Oui, je crois. C'est complètement bloqué parce que les mots étaient changés dans le moniteur. Ce n'est pas les mêmes mots qu'il faut pour approuver les 9 membres, les nouveaux membres. Pour le moment, c'est, au moins c'est ce que mes contacts, ils sont bons, m'ont dit, que pour le moment, Henry est toujours le premier ministre. Voilà, c'était une partie ça, et je me dis, Fom Kapil, c'était
Il a parlé de façon que monsieur était sorti, soit arrêté pour nommer et que ce barrage coulève cette tête-là, ou bien neuf têtes-là, et ils ont parti sorti, ils ont parti bloqué. Mais naturellement, ça qui est important pour qu'on connaisse, nous devons arriver dans sorti, côté que Mme Pamela White et expliquer que, naturellement, il était contacté Guy Philippe, alors il parlé avec Guy Philippe, après par la suite, par déclaration qu'il a fait, il paquet de téléphone, tout le qui relève. Maintenant, qui est-ce qui relève? On ne connaît, mais je sauf que si. De moun relèl par rapport avec déclaration qu'elle t'a fait par rapport avec Guy Philippe, ou capable comprendre que moun ki relèl yo pa n'importe moun, c'est de moun ki gen intérêt. Ou comprenne? Et ça le dit a déranger tout. Ou comprenne? Mais ça que m'a dit nous honnêtement. Messieurs dames, pour nèg yo traîner Haïti, côté yo traîner, côté que ou même comme jeune k'ap vivre dans pays a ou rive dans situation côté que ou presque pas wè espoir du tout. Parce que pas de possibilité là pour un jeune espoir fond jeune t'a réfléchi en pile t'a wè loin en pile et faut vivre en province tout ou des activités comme ou entreprendre en province et qu'on ou des familles qui supporter ou à l'étranger pour t'a plus ou moins dit que moi tête moi tel bagage mais ça que moi mais ça que moi mais yon jeune qui l'en porte au prince qui pas ni relé qui pas ni répondre qui pas ni monter ni descendre qui l'en grand goût comme ça veut dire grand goût. Le grand goût, ça veut dire que moralement ou pas en forme, ou yo réduit ou capacité de réflexion limitée complètement. Ça veut dire que c'est penser moins grand goût matin là ou du moins manger yon pain à zè matin après-midi qui ça m'a mangé. Et si m'ta jwenn un bagay on zanmi ban mwen pour m'passer dans coin bouche mwen après-midi qui ça m'pral le manger demain et qui nan temps ça n'a vivre là oui haïtien en Haïti pas qu'à manger. Et c'est plus passé 5 millions haïtiens qui pas qu'à manger. Parce que pays a te kabay tout petit li manger. Mais un groupe de nèg qui rete nan Port-au-Prince là qui pav le peuple là vivre tant comme moun. Et puis tout moun konnen yo, yo continue faire promotion pour yo. Politiciens yo c'est yo. Oligarque homme d'affaires c'est yo qui pav le peuple là l'on souffre du tout. Même journaliste qui a supporté coulev cette tête là, c'est même lui-même qui kabay nouvelle ori, gen 5 millions moun qui nan grand goût. Mais on pas jamais camper ou vous dire comme ça que c'est monsieur ça qui mettez dans grand goût. Nous faisons pays son peuple. C'est seul politique avec kidnapping qui cap marché. Pas gain l'autre business qui cap marché. Seul business oligarque avec politique gang nan cap marché seulement. Mais tout malheureux malaise qui t'a fait qui chez dans pays, tout crasé, tout fini. Et puis tout monde capable garder assassin dans yeux, cap détromper nos conditions pareilles. Li pas possible. Mais si on tue un paquet de monde pour bagaille ça chaque clo parle. Chaque monde qui parle ça yo tue. Chaque monde qui questionne nèg ça sous prince ça, yo assassiné ou. Mais je veux dire faut bon côté rivé pour dire comme ça que nèg pas ka touyer mon encore, c'est nous pour touyer fois ça ou pour foutre dehors. Parce que tendez bien, si ou connait un groupe nèg a touyer mon toute journée, qu'on cherche une solution ensemble avec lui. Parce que si qu'on pas ka suspendre mi touyer, qu'on cherche un moyen pour stopper définitivement parce que nous pas ka arrêter pour n'baou touyer toute la journée. C'est nèg yo touyer mettre Dorval. C'est nèg yo touye président Jovenel Moïse. C'est nèg yo touye Antoinette Duclair. C'est yo qui touye un paquet malheureux malheureuse dans Port-au-Prince. C'est pas deux moun nou mouri dans pays d'Haïti sorti 2019 pour arriver 2021 Jovenel là. C'est pas deux moun nou mouri dans pays d'Haïti sorti 2021 ça pour arriver 2024 tout trouver là. Nous connaissons les blagues qui là mes amis. C'est pas deux moun nou mouri pour être capable gérer instabilité politique là seulement. Côté premier ministre Trudeau. Bon, regardez ça. OK. On va le comprendre bien, ça m'a dit nous là. On est là avec la communauté internationale depuis 30 ans, depuis plus que 30 ans, pour essayer de stabiliser la perle des Antilles. Attendez, oui. Et on est quand même rendu aujourd'hui où on est maintenant. Et je comprends à quel point les gens commencent à être désespérés. T'as des problèmes avec l'Idio. L'Idio est là depuis environ 30 ans pour essayer de mettre en stabilité dans le pays d'Haïti. Donc, à comment ça veut dire? Depuis environ 30 ans, que vous avez essayé de stabilité. Ça veut dire que pour qui ça parle de stabilité? Et puis nous parlons de gros paroles libales du jour. Attendez ça. J'espère que peut-être ça ne changera pas et ça s'empire, surtout ces jours-ci. Je pense que la clé des choses, c'est de comprendre tout d'abord une des racines du problème. Oui, qui racine? Il y a une dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, l'économie haïtienne.
Et ces gens-là sont bien protégés dans leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère qu'est en train de vivre le peuple haïtien ces jours-ci. Et l'influence de ces familles-là dans la vie politique d'Haïti, les débats politiques et le manque d'investissement réel et de structure réelle pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien, fait que si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, néocoloniale, ne pourra jamais y arriver. Alors, nous, on a pris deux approches en tant que Canada. Il y a beaucoup de différents pays qui sont impliqués, mais le Canada a un rôle à jouer important. J'étais d'ailleurs aux Caraïbes pour rencontrer des leaders du CARICOM il y a quelques semaines pour encourager des partenaires régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça ne peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir. Ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, il faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça ne marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus, on a besoin que des pays autour en face aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça fasse, c'est quelqu'un gagne à la présidence ou devient au gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, puis tout le monde... Il n'y a jamais un consensus, il n'y a jamais une stabilité de gens qui se disent, OK, pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité. Parce que les gens, de voter quand tu as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand... Tu sais, c'est pas un vrai vote démocratique à ce moment-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire que... Et stop. Et moi-même, pour moi-même, m'pas dit et des monde pas obligé gagner même position ensemble avec. D'ailleurs, et nous toujours faire effort ça pour que ou même on fait opinion, on comprendre de façon pas, même moi-même. M'a parlé parti ça selon moi-même. Et pas qu'à dire que le Canada responsable. Les États-Unis d'Amérique responsable. La France responsable. M'a qu'à dire comme ça. Mais naturellement, ils n'ont pas de responsabilité. Yo comme si yo gen wall pa yo ki yo joué tout 30 ans ou dim que le Canada a pèsé aider pour mettre stabilité 30 ans. Est-ce que me dégèt en fait m'a même sûr que me dégèt en fait même ou ben si me dé presque pral fait m'a songe comme pas même fin songe l'âge moi 30 ans. Qui est ce qui était toujours cap mettre problème nan il était toujours connaissé oligarque yo. Mais maintenant, Demachewa, pour moi-même, c'est important. Mais l'État plus important, si nous avons l'État, si nous avons un dirigeant sérieux, oui, si nous avons un monde sérieux, et la justice dans le pays, nous tap travail, nous tap, et comme Sim Dadjo, Demache n'a pas être plus sérieux. Et là, ça nous avons une force, nous avons une légitimité pour nous marrer vagabond. Parce que chaque nègre là, que Canada dit que Liba Ezam, Haïti connaît yo. Et là, dit que, alors, Canada dit que Liba Ezam pour tout le monde. Dans le pays, Haïti connaît, oui. Des pays connaît, mais des pays ne peuvent pas arrêter. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter. Pas de chef pour nous. Mais si vous avez des juges, commissaires gouvernement, un président de la République qui se garde en bonne marche, institution, qui a assez de courage, qui a campé pour garder l'assassin dans les yeux, je dis nous ça honnêtement. Et c'est avec toute franchise. Nous ne pouvons pas prendre un grand vagabond dans la rue. Qui a fait politique.
On a pris un green vagabond dans la rue qui a fait politique. Yo tout tape en côté ou machine va frapper. Nous avons assez de preuves et la communauté internationale a senti que l'État est confortable tout parce que nous n'avons pas de problème politique tant que là tout. Garantissez-vous ça. Ou si par exemple, nous pas aller par voie violence là. Nous utiliser la justice pour que nous fassions bataille là. Sincèrement. Ou un pouvoir qui fort, faut un pouvoir qui fort tout. Il faut qu'on mette au principe sous nèg avec femme qui était militant dans Port-au-Prince. En manquant à casse, on mettait si haut pour yo. Et puis c'est moun dans quartier populaire qui a vinn sorti faire manifestation, craser réunette à coup de bâton. Foutre yo de manière sauvage avec brutalité. Faire au suspend. Parce que ouais, yo pas respecté chef d'état qui propre, mais yo peur voler criminel qui vient prendre l'état en otage. Est-ce que peuple Port-au-Prince qui a pris la rue? Non. C'est parce que gen gang qui au pouvoir, gen gang qui dans la police qui passe au l'ordre, il dit regardez, fisez moun k'ap sorti dans quartier populaire. Et ben moi comme chef d'état, m'd'a dit peuple regardez, moi interdit manifestation sous territoire national là jusqu'à nouvel ordre. Pour stabiliser pays d'Haïti, c'est pour la vie ou, c'est pour bien ou comme peuple. N'ap décortiquer, mais pour faire le tout. Faut ou ta gen moun k'ap fait camp en campagne et dans mosquée 90 jours parler des portes en porte, parler avec paysans, marcher dans quartier populaire, dit peuple ça va passer dans pays, il a obligé rete la caillou pendant quelques temps. L'État supporté tout le monde qui a vacué avec activité librement dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier, nous interdit manifestation dans Port-au-Prince, surtout. Pour nous mettre stabilité la paix dans Port-au-Prince, nous obligés interdit manifestation à travers les rues de la capitale. L'important, l'important pour qu'une fèle. OK? Parce que pour mettre, pour qu'on contrôle la situation, il ne faut pas gagner de blousaille. Il faut gagner un calme apparent pour qu'on soit capable de maîtriser la situation. Mais si que ou qui te nèg a infiltré bay cop mettez moun nan la rue, y a craser tout soit faire nan moun. Mais le ça qui sont gen pour faire ou maîtriser tout nèg qui nan oligarchie pour y senti ya et pour gérer ou gérer yo. Parce que nèg qui carré nèg bay cop ou freeze account tout nèg ou mettez contrôle sur la caillou pa gen machine quelque soit machine qui a rentré la caillou ou fouyel quelque soit machine qui a sorti la caillou ou fouyel. Et pour contrôler le téléphone tout nèg. Là, pas d'abgé question de privacy, ou contrôler ça. C'est sécurité au besoin de nos pays. Ou prendre des décisions drastiques qui peut-être capable peut-être paraître impopulaire. Mais pis devant qui parle de genou légitimité populaire. OK? Eh bien, le ça, ou faire pour bien-être, peuple. Ou faire pour bien-être, peuple. Mais pour nous suspendre plein, pour ingérence communauté internationale, bon gens pour que nous fonctionnions. Gonja pour que nous fonctionnions pour nous gérer aussi les bagailles. OK? Il est important. Il est important. Maintenant, pour qui ça n'a pas trouillé? Et. Oligarque, puis hôtel, je vais comprendre. Pour qui ça n'a pas trouillé, Jovenel Moïse? Mais on l'a donné. Jovenel a décidé pour que l'été gérer le dossier constitution. Parce qu'il voit que l'on a contrôlé loi, maman loi pays. Constitution pays ya. C'est nèg organisé pour constitution faite dans façon pa yo et yo contrôle très bien. Yo konn ki jan pou yo faire politique yo avèl pour yo contrôler tout ça qui dans pays ya. En dedans des présidents. Disons ça. C'est bibliolie, c'est pas blaolie. C'est rue après nous non coin. Nous quitter pays ya nan miracle. Parce que yo konn comment bien pour yo travail. Avec constitution ça pour yo travail pour yo faire que tout ça au besoin dans l'état pour yo capturer. Ça veut dire mauvais contrat. Ça fait 123 millions sur facturation, 194 millions gaz. C'est un fonds d'exercice. 123 plus 194. Ça fait 123 plus 193 et 317. 317 millions de dollars. Dans mon seul famille. Ça veut dire que c'est Petit Desalines ou bien c'est Octeur Le Desalines, c'est Octeur Le Christophe, Pétion, Capois. 317 millions de dollars. Pour 4 à 5 heures dans le courant, n'importe où, chaque jour. Tout reste payé dans le noir. Mais ça va faire personne. Hein? Mais peuple, là, où est-ce que vous avez joué? Clair, pour comprendre une bataille, là, je veux dire. Bataille, là, c'est pour une bataille pour moi. Ça, pour qui ça fait moins? C'est une bataille pour vous. On fout un exercice, combien de coups, je veux dire, à dépenser. Taïwan nous prête 150 millions de dollars. General Electric n'a acheté pour 57 millions de dollars.
Ça fait 207 millions. Non, dans Taïwan, c'est là qu'on a acheté pour tout électrique, pour le trésor public. Là. Non, le trésor public a payé pour tout pour nous, pour environ 2 millions de dollars. Pour tout pays, il y a des trucs pour tout électrique. Et je remercie les gens dans le secteur privé qui ont eu l'état d'opportunité. Parce que ça nous a besoin. Hein? Nous n'avons pas de compte avec personne. Nous n'avons pas de compte avec les gens qui comprennent comme si le pays a eu pour y aller. Nous retirer l'en bas de fou. Parce que le babou. Puis, a... Ça veut dire que avant nous y en compte. Mais les gens qui ont aidé nous, au contraire. On prend exemple pour tout électrique. Pour tout électrique, doit coûter 5 millions de dollars. Nous jouons aux gens qui collaborent avec nous dans le secteur privé. Pour tout coûter 2 millions, peut-être 100 millions de dollars. Pour tout pays, il y a 11 406 pour tout. Ça veut dire que tout pays aujourd'hui a un poteau électrique. On connaît ça, c'est trésor public. Génératrice, appel de fin passé. Pour tout pays à net, pour tout civil. Parce que c'est des civils qui ont besoin. 200 kW, 300 kW. Pourquoi ça a besoin de plus gros? Je ne sais pas même quoi il y a de mégawatts. Pour tout pays. Système solaire. Ça veut dire ça aussi. Trésor public. Système solaire là pour 25 millions de dollars. Total pour 25 mégawatts. Pour mettre dans tout civil ça. Elle font calcul. Non? 25 millions plus 4 millions. Ça fait 29 millions plus 207 millions. Hein? Ça fait 236 millions de dollars. Nous avons combien de copies qui étaient dans 317 là toujours? Hein? C'est pour me dire nous que son pays, côté un groupe, t'a décidé de faire pillage avec une dilapidation systématique. De... Ça, c'était dans l'émission. Alors, je vais vous dire. C'est intelligent, pile, monsieur. C'était ce matin à mort. Jovenel utilisait un couloir pour que lui fait passer le message li avec autant de facilité. Lui rassure que comme président, lui, comme si il avait contrôle façon de passer le message. Et c'est là que vous venez que Jovenel prend le bon sou yo. Finalement, il est obligé de tuer Jovenel. Entendez? Et Negio senti que Jovenel Moïse vient une façon, il a même créé une stratégie pour que vous fassiez peuple à Raïl là. Et bien Jovenel Moïse vient utiliser même stratégie ça, lui-même, pour le faire message à passer clé par le peuple là. Et puis de là, il Jovenel crase toute mobilisation que Negio fait, donc il fait n'importe quoi. Jomo, parle garçon. Regrette tout, man. Ça veut dire nous pas capable aujourd'hui, après même moi dis nous ça. Bataille avec oligarque complice, c'est grande bataille ça qui vient pour peuple ça pour gagner. Sous besoin l'école construite pour petit tout. Sous besoin bon gens l'école professionnelle construite à travers tout pays là. Sous besoin hôpital communautaire de référence construit dans arrondissement yo. Sous besoin hôpital communautaire de base construit dans commune yo. Sous besoin centre de santé construit, vous voulez parler de centre de santé à l'île, construit dans la section communale. Sous besoin, pont jeté sous rivière, côté de l'eau qu'on prend, même gens ça fait dans Maïsad. Toute l'eau qui te qu'on prend, vous voulez parler de rivière, Rio Fouillot, toute l'autre rivière, entre chez Maïsad. Je dis à quelqu'un sur tout, et me profiter encore, remercier Banque Mondiale. Pourquoi mais ça que ben nous parce que et c'est ça n'a pas cherché là nous mêmes comme politique nous monter au pouvoir bah c'est ça nous demander collaborer avec nous dans la promesse nous te faire parce que l'homme marche dans tout pays c'est où qui ou un problème yo. Mais l'homme vient avec cobla vient chez tabac là moi la plus facile même Jean ou Jérémy l'a monté pour président. Route Kai Jérémy de 43 km route qui pote quoi fait du tout là-dedans. Jodi a route a fini. N'a fait inauguration route Jérémy, on profite remercier la bid. Qui dans 43 km là, tu prends 38 km pour nous. 5 km là nous te fait moun camper en songe. Nan mon nan, nous t'asphalter là avec caravane nous. Nous profiter, j'aime dire la remercier la bid pour financement 38 km ça. Qui permettent que aujourd'hui, route Jérémy Kala va l'inaugurer.
Mais après combattre, route ça a commencé construire depuis 2008. Je veux dire, en 2021. Il va aller 14 ans de la construire. Il va finir de construire. Et c'est toute démarche ça. Pour comprendre quand on sorti, qui ça qui faut arriver là, et réseau qui cause ou pas qu'à sortir avec facilité. Qui ça que nèg yo fin ouais qu'on gagne contrôle comme peuple et au peuple a prend décision. On ça qui fait mal. Parce que en tant que monde on est qu'à faire politique, ou à faire coquin, ou à faire mesdames, ou à faire mouvement bluff. Beaucoup de privé ou de réalité tout clairement. Ça me fait, monsieur, l'hypothèse résultat pour moi, mais trop de monde en souffrance. Bon, il y a une possibilité pour le peuple à en souffre. Mais, monsieur, depuis ce n'est qu'à faire politique en Haïti, monsieur, il faut dire que les gars sont son bagaille bacan net, on démon, comme si les gars ne pouvaient pas voir le Alors, monsieur, pour faire nos pays, ou grandir nos pays, ou c'est haïtien, monsieur. Ou est-ce que haïtien a mouru, fiel haïtien a pété, grand a tué moun, en de pays, ya, comme si ça pas fort ni chaud ni fret, pour petit ou pour petit ou vivre dans le luxe, États-Unis, la France, Canada, comme si ça pas dérange ou. Ça pas dérange ou du tout, ou pas gêné du tout, pour pas payer une chance, pour ne pas cacher de yon bagay, téléphone. Yon décide pour prendre pouvoir. Mais ça m'étale bien, monsieur. La façon que yon décide pour prendre pouvoir, c'est sous 100 yon président que yon fin tué encore. Mais, à la vérité, tout quelque part. Et, dans le président Jovenel Moïse, tu penses que yon t'a parlé rose pour yon. Mais là, va venir Jean ou te pense là. Yon vin gwen chance. Et, 20 juillet 2021, yon non chance yon prend pouvoir. Yon rassure yon que yon gen bon pouvoir nan mais à partir de décembre 2021, 2022. Nèg yon met pied à terre pour tout bon. Yon pense que yon se met pays. Mais là, yon gade yon fait 30 combien mois dossier assassinat Jovenel Moïse en pirède. Ça qui est plus grave là, pendant que vous même fait diversion avec le dossier dans la Coupe d'Haïti, et puis la justice américaine a marqué pas. Est-ce que vous comprenez? La justice américaine condamné Rudolph Jar. Hey! Li condamné John Joel Joseph. Li condamné au paquet colombien. Li prel condamné au paquet l'autre là encore. Il faut qu'on moi de à la balle qui choy. Parce que depuis les 4 vous avez frappe, mais maintenant pourquoi vous avez mais vous faut qu'on que pral gen qui choy. Gen qui dans pays d'Haïti qui doit monter États-Unis, c'est l'information. Est-ce que vous comprenez que son dossier qui pourquoi fini? N'a pas fait ça, vous voulez. Il a finalement arrivé tout. Alors, ça a arrivé tout tête, mais il a finalement arrivé, il a mettre tout en bas de code qu'on est. En Haïti, pas de justice. Pas de monde tout. Dans l'État qui a une volonté pour que Jovenel Moïse ait une justice. Ouais, c'est la majorité peuple qui est en province là. Et monde qui est en diaspora, qui vient ouais que négocier le président mal, il est campé, ben ça yo. Mais naturellement, je dis que n'est-ce pas bien malaise. Il n'y a pas bien malaise, mais il faut que le pays ait toujours été dans l'instabilité. Il prend le pouvoir et un groupe l'autre cap attaquer, cap faire des autres dans la rue. C'est ça qui a géré. Et c'est comme ça que il fonctionne. Et c'est tout le temps, il fonctionne avec stratégie ça. Et c'est comme ça qu'il fonctionne normalement en pays pour détruire pays. Ou même comme peuple, ou supposé organiser ou pour une bataille contre eux. Parce qu'on va quitter eux là. N'est pas propre, yo pas senti bon, yo pas moun, yo pas des bien, yo méchant. La petite libre à l'école à l'étranger, bah il s'en chance pour le petit pas l'école en Haïti. Même ça, n'est pas vle du tout. Petit pas n'a pas de problème électricité, internet, li pas accès avec technologie, hein? Bah il malheureuse là. Possibilité, li même la va mettre, si mon ami n'est client. Pour petit client passé, on 30 ou 40 minutes sur Internet, non. Ça, ou pas kabalil. Petite parole à l'étranger, maman l'on kamenel l'an pack, kamenel l'on espace pour la jouer. Mais, bah, y possibilité. Pour malheureux, malheureuse, la kasso de Port-au-Prince, pour la province, pour la famille avec petit client, non. Mais non, ça, ou interdit li. Ou ka l'an gros salle cinéma, avec madame ou famille ou, dans le garder en movie whatever mais pas possibilité pour malheureux malheureuse d'aller même les joindre petit courant non dans Port-au-Prince pour l'ouvrir télé même si chaîne n'a pas fin clair pour le garder au moins un petit film ancien non est-ce que vous comprenez ça ou était dit tout alors nous pensons que peuple sato ou t'as pas éclaté éclatement social l'a fait quand même et ces politiciens ici doivent mourir la donne révolution sanglante l'a fait quand même. C'est tout politicien ici qui doit mourir là-dedans. Moi, je fais sauver. Si on n'a pas de bail, on ne peut pas prendre. Moi, je dis sauver des oligarques, ils sont volés, ils sont criminels, ils ont tué le président.
Mais pas oublier, ces politiciens haïtiens aux jeunes pour faire tout crime ça dans le pays. Ces politiciens haïtiens aux jeunes pour qui cause fait tout crime ça dans le pays. C'est pas d'une avec criminel assassin, gang sale politique ravette ça yo, yo pas faire tout crime ça yo dans le pays non. Mais c'est yo méchant. Mais c'est pas gen cœur moun. Mais c'est détruit petit pays, a détruit petit peuple là. Yo fait toute qualité mzak malhonnête. Ça fait que yo pense que ce bagage qui normal pour camper pour garder pour pas parler. Comme si de vous parler et comme si on va mourir. Tout le monde peur. Moi-même, t'as des bien. Qui ça pour me peur encore? N'a pas tout haïtien chaque jour. Ok? N'a pas tout haïtien chaque jour. C'est moi-même, j'avais mieux. Il y a pour mourir. Qui côté n'importe où prince? Nous faisons toute qualité, Zach malhonnête. Alors nous pensons moi-même, on va le camper pour me garder nous. Qui a fait tout le temps nous. A tout le monde, fait crime, fait toute qualité bagay. Puis, comme si, moi-même, comme si, non, on va pas arrêter. Il y a tout le président. Parce que le président a parlé vérité, le président a envie de mettre l'électricité, le président a envie de mettre organisé pour payer viva pour tout le monde, faciliter la diaspora et s'en rentrer dans le pays d'Haïti. Il a trouvé le président, mais quand il a gardé la bataille, il a lève cette tête. Je regarde mon tweet, guerrier Gisèle, mon tweet, guerrier Nek Jacmel, man. Guerrier qui a eu honte de l'activité par les criminels. Guerrier. Guerrier, comment c'est pas là avec monsieur? Parce que c'est malhonnête. Ou imagine, on finit sur ton bagage avec toute force. Et puis je dis bagala arrive côté pour l'installer ou même pour d'ajouter ça pour jeune pour bagala comme si li m'en réagir coquin pété dans mi-temps nan cap bataille pour plus gros morceau gâteau et puis ou même mais ça qui fait mal là population pas dans rien ça cap fait là tout plan tout complot cap manigancer parce que pas là population pas dans rien du tout c'est nan qui dans politique volé nan qui dans secteur privé volé nan qui dans droits humains gang nan qui dans la presse traditionnelle vice capitaine réseau et yo même yo mettait tout ensemble pour yo sous c'est seulement mais peuple a pas besoin yo style a fait bilan bay bilan chaque matin gen 5 millions 5.6 millions 5.4 millions moun qui nan grand goût extrême tel bagay faut communauté internationale vienne en aide pendant que Haïti gen possibilité pour ta aller en aide avec tout moun sa qui nan grand goût n'a fait toute vinn nan aide n'a mouri nan aide aide a pété fiel non son révolution drastique qui doit faite mais son moun qui gen caractère tant que Guy Philippe. Son monde qui a caractère. Mais sauf ça que je connais, c'est normal pour que Guy Philippe ait des menaces. Parce que je regarde pour moi, à Burkina Faso, non, et avec le commandant Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, son qui a pile pile menace sur lui. Et chaque semaine, il a maîtrisé ou bien neutralisé des groupes qui ont essayé de faire tentative d'assassinat sur lui. Et chaque soir, il a dominé l'espace. Je suis obligé de commander, il y a un commando qui est solide. En Afrique, nèg yo très sauvage. Monsieur c'est entouré par des promotions li, OK? Promotion monsieur dans la dans force armée et monsieur gen cousin le frère avec qui entouré li, des monde parce que nèg envie tuer monsieur tant que Thomas Sankara. Vous comprenez? Mais pour nous ta gagner on est comme ça dans pays d'Haïti. Et Guy Philippe pou ta mais pas tap toujours menace mais te ka gérer nèg ça yo. Parce que après assassinat Jovenel, nous te ka gérer nèg yo. Nous t'es gagé, nèg yo. Malheureusement, bab di plus. An fouti tan de jeune capitaine Ibrahim Traoré depuis Burkina Faso, dans le continent africain, pour fouti tan de jeune capitaine sa qui prend pays, et j'en peuple supporte l, j'en la parle avec peuple avec facilité, et peuple a bat bravo pour lui. Ibrahim Traoré, jeune capitaine, et président de la transition dans le pays Burkina Faso. Camarades, je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, peuple qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain.
Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci. L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Exactement. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste: allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer.
Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Beir, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Beir, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire, ça n'a pas été sans conséquences. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir, parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Burkinabé. Faut que des forces, faut qu'on en doive. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Attendez, oui. Pour prendre décision, ça, yo,
comme autorité dans le pays. Et faut qu'on ait un caractère, faut qu'on pas peur, et faut qu'on ait sous amonto. En plus, le monde pas d'accord, mais des fêtes. Et puis, peuple pour avoir. Pas grand peur, non? Communauté, l'autre groupe qui n'est pas d'accord. Finalement, il n'y a pas d'accord parce que il n'y a pas de venir tout la caillou. Vous comprenez? Il n'y a pas de venir tout la caillou. Et c'est ça qui est important. En nous continuons d'attendre, jeune capitaine Ibrahim Traoré. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. À jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement. Nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel.
Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui était donc pris pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Wayiens sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État, putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes, où était cette force lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmes lettres qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. On va de tous côtés.
Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Un chef d'État qui a parlé. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais c'est un serment. Nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance
tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de cession. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation. À travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tout ceux-là qu'on soudoie pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous, les VDP, donc, des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc, rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort nous vaincront. Justement, c'était jeune capitaine Ibrahim Traoré et jeune capitaine qui est président de la transition dans le pays Burkina Faso qui a gagné la parole là. Nous trouvons extrêmement important pour que frères africains nous yon. Frères nous yon, africains nous yon, justement qui décident de prendre ce pays en main pour retirer le pays en bas à l'oreille impérialiste. Justement, son bataille qui dit, mais avec force, courage, détermination, et justement, faut pas peur du tout, non papa. Et pour peur, on va tomber dans quatre batailles ça. Et capitaine Traoré, tu prends la parole. Même quand il pour me venir toujours, pour arriver non. Le général Tchani, Ngé Faye, et pour me venir pour nous, moi gagné Assimi Goïta, maintenant pour me venir pour nous, moi gagné bien que m'pa fin trop comprendre colonel Mamadi Doumbouya et monsieur qui était ouvert vannan, vous comprenez moi? Et m'pa fin trop comprendre colonel Mamadi Doumbouya. Mais sauf que n'a suivi jusqu'à maintenant. Entre-temps, n'a kembé là et rete connecté avec plateforme YouTube Fubeto yo. Nous connaissa que tombé yo n'a jeune yo attend. Que mon Dieu béni chaque grand non. Que mon Dieu béni Haïti chérie noire. Moi même en pile, son plaisir pour m'd'avec nous. Kembé là.